إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc qu'est-ce qu'on va lire ensemble aujourd'hui? C'est une muhadara du Cheikh Saleh Al-Fawzan qui s'intitule Nawaqid al-Islam, c'est-à-dire les choses qui annulent l'islam d'une personne. Et c'est la conférence numéro 50, Al-Muhadaratul Khamsoun, dans la série des conférences du Cheikh au sujet de la Aqidah et de la Da'wah. C'est Muhadarat fil Aqidati wa Da'wah, le volume 4. Donc le Cheikh il dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا في الجاهلية في ضلال مبين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين والملائكة كانوا متفرقين في عباداتهم كل يتخذ له ربا يعبده من دون الله عز وجل. Donc le Cheikh il commence en disant premièrement que toute la louange appartient à Allah le Seigneur des mondes et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons et surtout ses compagnons. Ensuite il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grâce et a mis sa faveur sur cette umma en suscitant parmi eux le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit justement à ce sujet-là en décrivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à la umma dans le verset 164 dans surat Al-Imran. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sa faveur et sa grâce sur les croyants lorsqu'il a suscité parmi eux un messager de par eux-mêmes qui leur récite ces versets et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, et même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. Et donc, auparavant ils étaient dans l'ignorance, al-jahiliya. Ils étaient dans un égarement évident. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui était le bien et ils ne condamnaient pas le mal. Ils adoraient les idoles, les pierres, les arbres, les saints, les hommes pieux et les anges. Et ils étaient tous séparés dans leur façon, dans leurs adorations et dans les choses qu'ils adoraient. Ils adoraient tous des choses différentes. Ils n'avaient pas, ils n'avaient pas de tawhid. Chacun se prenait un seigneur ou une idole, quelque chose qu'il adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu fi majal as-siyasati wal hukmi mutashattitin la tajtami'uhum dawlatun minhum bal minhum man yattabi'u al-furs wa minhum man yattabi'u ar-rus ar-rum afwan. Je me mélange avec les époques. Donc le Cheikh il dit à l'époque et sur le plan politique, eh bien ils étaient aussi divisés. Comme ils étaient divisés dans la religion, ils étaient aussi divisés sur le plan politique. Ils n'étaient pas unis par un seul état. Et certains suivaient la Perse et d'autres suivaient la Rome. Et je me suis trompé en disant Rome au lieu de Rome, j'ai dit Rus. C'est comme aujourd'hui. Il y en a qui suivaient les Américains, d'autres qui suivaient les Russes avant la chute de l'ex-URSS. Bon.
Ça ressemble, hein. On dit qu'il y a des choses qui se ressemblent encore à notre époque. Il dit, وَمِنْهُمْ كَثِيرٌ تَتَسَلَّطْ عَلَيْهِمْ الرِّئَسَاتِ الْمُتَشَتِّتَةِ كُلُّ قَبِيلَةٍ تَحْكُمُ نَفْسَهَا وَكُلُّ قَبِيلَةٍ تَنْتَهِكُ حُرُمَاتَ الْقَبِيلَةِ الْأُخْرَى فِي الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْغَلَبَةُ فِيهَا لِلْقَوِي أَمَّا الضَّعِيفُ فَإِنَّهُ مُهَانٌ مُسْتَضْعَفٌ لَا قِيمَةَ لَهُ عِنْدَهُمْ. Donc le cheikh il explique que il y avait également aussi des disputes de, pour le pouvoir. Chacun essayait d'avoir le pouvoir sur l'autre. C'était un peu la loi de la jungle, hein. Le plus fort, il mange le plus faible. Et chaque tribu, donc, elle essayait de contrôler l'autre. Et chaque tribu essayait de brimer les droits des autres ou bien de leur manquer de respect. Et il y avait toujours des problèmes de ce genre. Donc, soit qu'ils brimaient les autres tribus dans leur bien, dans leur sang ou dans leur honneur ou des choses de ce genre. Celui qui était fort, il avait une protection. Celui qui était faible, eh bien, il était humilié et écrasé et il ne lui donnait aucune importance à l'époque. Ça, c'était comme ça que ça se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien plutôt avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il a commencé sa da'wah. كانوا في جانب الاقتصاد أحقر الدول يأكلون ما هب ودب وما درج على وجه الأرض ويأكلون الميتة وما نالته أيديهم لا يعرفون حلالا ولا حراما. Donc, le cheikh dit sur le plan de l'économie, ils étaient parmi les plus faibles de tous les états, le plus faible, yani, le plus méprisable dans leur état. Ils mangeaient tout ce qui marchait. Hein, tout ce qui rampait sur la terre, ils le mangeaient. Ils mangeaient même la viande morte. Tout ce que leurs mains pouvaient attraper, ils le mangeaient. Et ils ne connaissaient pas le halal ni le haram. Yani pour eux, tout était halal. Et le cheikh il dit ensuite, فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ لَهُمُ الْخَيْرِ وَأَرَادَ لَهُمُ الْعِزَّةِ وَالْقُوَّةِ فِي الْأَرْضِ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ وَهُوَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ صَمِيمِ الْعَرَبِ ومن أشرف العرب وفي أقدس مكان على وجه الأرض بعثه برسالته يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة وصار يعلمهم بعد أن كانوا جهالا ويهديهم إلى الحق بعد أن كانوا ضلالا ويبصرهم بالصراط المستقيم فاستجاب لهم من أراد له السعادة وما لبثت دعوته صلى الله عليه وسلم رغم ما اعترضها من المشاق والمعارضات أن انتصرت وظهرت بعد أن هاجر إلى المدينة حتى غزا أهل مكة في السنة الثامنة وفتح الله مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحطم الأصنام وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ودخل الناس في دين الله أفواجا وأنزل الله عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le cheikh dit quand Allah a voulu du bien pour eux, et bien, et quand il a voulu pour eux la puissance et la force sur la terre, il leur a envoyé un messager de par eux-mêmes, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient, hein, de parmi les Arabes, des plus nobles parmi les Arabes. Il vient de la famille ou d'une tribu qui fait partie de la tribu les plus nobles de toutes les tribus arabes, et en plus de la famille parmi cette tribu qui est une des plus nobles dans cette tribu-là. Hein. Donc, il vient du summum de qu'est-ce qu'on considère comme étant les Arabes de l'époque. Et il est né à l'endroit le plus sacré sur la terre entière, c'est-à-dire Mecca, Al-Mukarrama. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a suscité, il l'a envoyé avec ce message, hein, le message du tawhid, de l'islam, il a envoyé ce messager pour les appeler donc à l'islam et au tawhid. Allah lui a révélé le Coran, il lui a révélé la Sunna, et il a commencé à leur enseigner, à leur donner de la science, alors qu'ils étaient auparavant ignorants. Il a commencé à les guider vers la vérité, alors qu'auparavant, c'était des gens qui appelaient à l'égarement, et il les a fait voir le droit chemin.
Et ceux que Allah, ceux pour qui Allah a voulu le bonheur ont répondu à cet appel. Et il est resté parmi eux et il les a appelés. Et il a continué sa da'wah malgré les oppositions, malgré les difficultés. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait fait la hijra à Médine, Allah lui a donné la victoire. Hein? Et il a fait en sorte que l'islam soit au-dessus de toutes les autres religions. Et par la suite, il a conquis la Mecque dans la 8e année. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire et il lui a donné donc le pouvoir sur la Mecque. Et il a détruit toutes les idoles. Et il a ordonné l'adoration d'Allah seul et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et donc d'adorer Allah et de rien associer avec lui. Et les hommes ont rentré dans la religion d'Allah en groupe. Ils ont commencé à rentrer dans l'islam en groupe. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce moment-là le verset « Aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion. J'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Hein? » ثم جاء دور الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي ابن أبي طالب فواصلوا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام والجهاد في سبيل الله حتى دخلت المشارق والمغارب في دين الله وسقطت دولة الفرس وسقطت دولة الروم. Donc le cheikh il fait donc un survol de l'historique, comment l'islam est venu pour nous remettre dans le contexte, dans la situation, pour nous ramener au sujet de Nawaqid al-Islam par la suite. Donc là il dit que par la suite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu la tâche des khulafa al-Rashidin qui ont repris la da'wah, qui ont continué cette da'wah par la suite après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les khulafa al-Rashidin, le premier Abu Bakr al-Siddiq, Omar al-Farouq, Othman al-Nurayn et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum ajma'in, ils ont continué la tâche du messager sallallahu alayhi wa sallam, de prêcher l'islam et de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire le jihad fi sabilillah pour étendre la religion partout sur la terre. Et donc, l'Orient et l'Occident sont rentrés dans la religion d'Allah. Hein? Les pays de l'Est et de l'Ouest sont entrés dans l'Islam et le pays de l'Empire perse à l'époque et l'Empire romain, les deux sont tombés. Hein? Et l'Islam, c'est l'Islam qui a pris le pouvoir. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فظهر دين الله عز وجل في المشارق والمغارب ودخل الناس فيه عن طواعية ورغبة ومن أبى الدخول فيه صار يدفع الجزية صارغا تحت حكم الإسلام هذا الإسلام الذي جمع الله به شتات الأمم وجمع الله به أولا شتات العرب فصاروا أمة واحدة متحابين قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a exécuté ou il a fait que se réalise sa parole lorsqu'il avait dit c'est lui qui a envoyé le messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute autre religion même si cela déplaît aux mushrikoun. Donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala elle a eu le dessus sur toutes les autres religions, en Orient et en Occident. Et les gens sont rentrés dans l'islam, et allés de leur propre gré, hein, et par amour pour l'islam, et ceux qui ont refusé de rentrer dans l'islam, eh bien, ils ont payé une somme d'argent qu'on appelle la jizya, et ils l'ont payé cette somme-là en se rabaissant et en s'humiliant sous le
pouvoir de l'islam. Et donc ça c'est l'islam que, yani, c'est par cet islam que Allah subhanahu wa ta'ala a réuni les différentes nations, qui étaient toutes divisées à l'époque. Allah subhanahu wa ta'ala a même en premier divisé toutes les différentes tribus arabes, alors que elles étaient toutes en guerre les unes contre les autres, et elles se détestaient toutes les unes les autres, hein, elles se faisaient la guerre, yani, sans arrêt. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis à sa grâce qu'il a donnée à sa, yani, aux hommes, ils ont été tous unis comme une seule nation qui s'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 103 dans Surat Al-Imran à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni vos cœurs et que vous êtes devenus des frères par sa grâce, et que vous étiez sur le bord d'un gouffre, hein, ou d'un abîme de feu, et il vous en a sauvé. Et c'est ainsi qu'Allah vous clarifie ces versets pour que vous puissiez être bien guidés. وجمع الله به شتات الأمم غير العرب وزال الظلم والطغيان وعاش الناس تحت ظل الإسلام المؤمن بإيمانه والكافر تحت عدالة الإسلام كما قال سبحانه وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il a réuni par l'islam les différentes tribus arabes, mais il a aussi réuni les différentes nations des non-arabes aussi. Et il a éliminé l'injustice et la transgression qui existaient parmi eux. Hein? Et les gens ont vécu sous l'ombre de l'islam et sous le pouvoir de l'islam. Le croyant avec sa foi et le kafir sous la justice de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est des choses très importantes, et même que j'ai lu dans certains livres qui mentionnent des choses historiques sur l'islam et comment l'islam s'est propagé, que lorsque l'islam est arrivé par exemple en Palestine ou dans d'autres régions où il y avait par exemple des Romains qui dirigeaient, et qui dirigeaient selon leur système d'injustice, ils chargeaient aux gens toutes sortes de taxes. Et il faisait toutes sortes d'injustices aux gens. Et bien, quand les musulmans sont venus et qu'ils ont établi l'islam dans ces pays-là, même les koufars, quand ils ont vu l'islam, ils ont été contents. Et ils ont considéré comme si l'islam était venu les libérer de ces gouvernements ou de ces états qui faisaient de l'injustice aux hommes et qui faisaient beaucoup de problèmes, beaucoup de tort aux gens en Palestine et dans d'autres aussi, dans d'autres régions. Donc l'islam entrait dans ces contrées-là et les musulmans rentraient dans ces contrées-là et ils établissaient la justice, hein, partout. Et même à notre époque, tu vois, les gens, même les koufars, les premiers qui sont en train de constater les injustices qui existent dans leur société, ce sont les non-musulmans. Hein? Et moi, même, je me souviens quand on grandissait au Canada ou bien ailleurs, on regardait qu'est-ce qui se passe dans la société. On est tous conscients qu'il y a des choses qui sont pas normales. Tout le monde sait que on n'est pas bien, on n'est pas heureux dans ce système-là. On n'est pas bien dans cette société-là. Il faut qu'il y ait des choses qui changent. Et bien, parce que on est des êtres humains et ça fait partie de notre fitra d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on n'a pas trouvé ça, on n'a pas un équilibre et on cherche quelque chose. Eh bien, c'est cette chose-là qu'on cherche, c'est l'islam. Mais quand on ne le connaît pas, quand on ne l'a pas dit, quand on ne nous l'a pas montré, bien on reste dans l'égarement. C'est pour ça que les koufars, ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher les gens de connaître la religion de l'islam dans sa vérité. Et de changer son image, de lui donner une mauvaise image pour que les gens s'en écartent, alors que en réalité c'est leur salut. Hein? Donc le cheikh il dit, « Wa qala Allah, kama qala ta'ala » وكما قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى il dit en décrivant son prophète محمد صلى الله عليه وسلم: nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Hein? Donc c'est une miséricorde qu'il est venu amener aux hommes. وهذا هو الإسلام الذي جمع بين القلوب
قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وذكر العرب بهذه النعمة في قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Donc le Cheikh il dit, et donc c'est par cet islam, par cette religion que Allah subhanahu wa ta'ala a réuni les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne et clarifie que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a donné la victoire par son support et par les croyants, et il a réuni entre leurs cœurs. Et si tu avais dépensé tout l'argent qu'il y a dans le monde pour unir leurs cœurs, tu n'aurais pas été capable d'unir leurs cœurs. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a uni entre leurs cœurs. Et certes, il est puissant et sage. Donc c'est pas de l'argent qui va unir les gens. Hein? Des fois tu regardes les koufars, tu dis, ils essaient d'unir des gens. Tu vois la société, tout le monde a des religions différentes, tout le monde a des croyances différentes, tout le monde a des origines différentes, des langues différentes, des cultures différentes. Et eux, ils veulent unir les gens juste avec de l'argent. Ils veulent unir des gens juste avec des idées, hein, des affaires de coffre, de laïcité, d'autres trucs comme ça. Mais quand tu regardes, il n'y a rien. Donc quand il n'y a plus d'argent, c'est là que tu vois les gens commencent à se diviser. Ils disent, là, il n'y a plus d'argent. Là, les gens commencent à se manger les uns les autres. Hein? Donc c'est ça la réalité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a uni par la foi et par l'iman. Par le tawhid, par l'islam. Donc c'est ça la différence de l'islam et de ces autres-là, hein, qu'est-ce qu'ils font. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé aux Arabes cette grâce qu'il leur avait faite dans le verset 26 dans Surat Al-Anfal. Il dit, souvenez-vous, lorsque vous étiez peu nombreux et faibles sur la terre, vous aviez peur de vous faire piétiner par les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a protégé, il vous a donné son support, et sa victoire, et il vous a donné hein, toutes sortes de bonnes choses comme subsistance pour que vous puissiez être reconnaissant. فَآخَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اخْتِلَافِ لُغَاتِهِمْ وَأَجْنَاسِهِمْ وَأَلْوَانِهِمْ تَحْتَ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً قَالَ تَعَالَى إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَقَالَ تَعَالَى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فما هو هذا الإسلام الذي وحد الله به البشر عربهم وعجمهم. Donc le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a créé ou il a établi la fraternité entre tous les musulmans, malgré la divergence dans leur langue, malgré la divergence dans leur origine, malgré la divergence de leur couleur, eh bien, ils sont tous comme une seule nation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il mentionne le verset 92 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah dit, « Et cette nation, votre nation, est une nation unique. » Et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 81-82 dans Surat Al-Isra, dit au Muhammad, à ces gens, la vérité est venue et le faux est disparu. Certes, le faux c'est ce qui disparaît. Et nous faisons descendre dans ce Coran ce dans quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants, mais il n'augmente les injustes qu'en perdition. Alors qu'est-ce que c'est cet islam qui a uni toute l'humanité, les Arabes et les non-Arabes? C'est quoi cet islam qui a amené les gens à s'unir de cette façon? Le Cheikh il dit, Al-Islam, huwa l'istislam lillah bit-tawhid, wa l'inqiyad lahu bit-ta'a, wa al-khulus min ash-shirk wa ahlihi. Wa ma'na al-istislam lillah, ay al-inqiyad lillah jalla wa ala bit-tawhid, wa ifrad Allah ta'ala bil-ibadah. بدل أن تكون العبادة لآلهة متعددة صارت العبادة لله وحده
الذي خلق الخلق ورزقهم وتولى شؤونهم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو معنى الاستسلام لله بالتوحيد. Donc le cheikh il commence par expliquer un peu la définition de l'islam. Qu'est-ce que c'est? Il dit que l'islam c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. C'est-à-dire de soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid en établissant l'unicité d'Allah. Et de soumettre à lui dans nos actions par son obéissance. Et de se désavouer et de se débarrasser du shirk et de se désavouer des mouchriquines. Ça c'est en gros la définition de l'islam. Donc de se soumettre à Allah par le tawhid, de lui obéir en se soumettant à lui en appliquant son obéissance, et de se débarrasser du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. Ça c'est la définition générale ou bien plutôt plus globale, hein. Puis la signification de al-istislam, c'est quoi? Al-istislam lillah, c'est al-inqiyad lillah. Al-inqiyad, istislam ça veut dire al-inqiyad, et al-inqiyad ça veut dire de se soumettre, hein, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, c'est-à-dire en faisant en sorte que on unifie Allah dans notre adoration, que rien d'autre que Allah soit adoré de notre part. Hein? Au lieu d'adorer plusieurs divinités multiples, on n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute notre adoration ne sera vouée que à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé la création tout entière et qui leur donne leur subsistance et qui s'occupe de leurs affaires. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat al-Dhariyat, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Hein? Donc ça c'est très important, yani. C'est ça qui unit les hommes. Yani, j'ai lu un petit peu dernièrement quelque chose qui a peut-être un rapport avec ça aussi, par rapport à le fait que l'islam a réuni les hommes. J'ai lu dernièrement, et puis j'ai écouté aussi, qu'est-ce que les chrétiens ont mentionné par rapport au début du christianisme, comment il a été développé, puis comment il a évolué, et que le premier empereur romain, environ 300 ans après Jésus, après Isa ibn Maryam, a déclaré la religion officielle de l'Empire romain comme étant le christianisme. Avant ça, les Romains étaient païens, hein, ils adoraient des idoles, ils adoraient toutes sortes de choses, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne connaissaient pas le tawhid. Qu'est-ce qu'il a fait l'empereur Constantin? Eh bien, il a peut-être probablement qu'il a considéré que dans le christianisme il y avait pour lui une réponse à ses problèmes ou une solution à dans ses problèmes politiques et autres. Donc il a fait en sorte que la religion de son état soit le christianisme. Ok? Et il a constaté par la suite que les chrétiens étaient tous divisés. À l'époque, il n'y avait pas une seule croyance pour les chrétiens. Ils étaient tous divisés. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tous les évêques, puis il les a réunis pour faire un concile. Ils étaient environ, si je ne me trompe pas, environ 300 ou plus. Yani, subhanallah. Alors, ils se sont tous réunis dans ce concile-là, à Nicée, pour s'entendre sur une croyance chrétienne qui allait réunir tous les chrétiens entre eux. Hein? Ils n'étaient pas d'accord. Les évêques. Ils avaient tous des données ou des croyances différentes. Et lui, à l'époque, Constantin n'était pas encore converti au christianisme. Il s'est converti juste avant sa mort. Toute sa vie, il restait païen. Hein? Donc, malgré qu'il s'était resté païen, mais il voulait quand même être le porte-parole, hein, du christianisme et réunir les chrétiens sur une seule croyance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé par vote. Hein? Ils ont fait des trucs comme ça, puis il y a eu beaucoup de débats, des désaccords et tout. Finalement, ils se sont mis d'accord et c'est Constantin qui a tranché entre eux. Bon, donc pourquoi je mentionne ça? C'est parce que je voulais faire un petit parallèle maintenant avec ce que j'ai remarqué. Qu'est-ce que certains koufars dans certains pays non musulmans, qu'est-ce qu'ils essaient de faire avec les musulmans? On dirait qu'ils essaient de se placer comme des Constantins.
pour essayer de réunir les musulmans sur une idée ou une compréhension de l'islam que eux ils ont décidé, tu vois. Et c'est arrivé dans certains pays européens et on voit que ça continue. Il y a certains présidents ou certains représentants dans les différents États d'Europe ou d'ailleurs qui veulent essayer d'établir une religion musulmane à l'image de leur société et ils veulent désigner par exemple une autorité religieuse musulmane comme une sorte de clergé avec un pape. Et puis décider par la suite c'est qui va être les responsables de l'islam, c'est qui va choisir la croyance pour les musulmans, et ainsi de suite. Hein. Les chrétiens, eux, ils étaient dans le dalal. Ils n'ont pas trouvé de solution pour arriver à trouver une réparation à leur division. Puisque à la base, ils sont dans l'aune, comme Allah il les a décrits dans le Coran. Hein? Ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de guidance, à cause de ça, ils sont égarés. Eh bien, les théologiens puis les historiens qui ont parlé du Concile de Nicée ont dit que, après le Concile de Nicée, ça a créé plus de divisions entre eux que qu'est-ce qu'il y avait comme division déjà auparavant. Donc, ça a fait que créer plus de divisions entre eux. Hein? Et pour nous, alhamdoulilah, la situation elle est totalement différente et on le voit dans la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a uni les mu'minins déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba qui sont toujours restés réunis et les efforts qui sont venus de l'extérieur de la part des kuffars et de l'intérieur de la part de certains parmi les munafiqins pour essayer de créer des divisions elles sont venues bien longtemps après. Et puis, alhamdoulilah, les gens de la sunna ont toujours été sur cette compréhension et cette voie unique qui amène les gens au tawhid et à la sunna qui les réunit sur cette base-là. Donc, c'est juste un point que je voulais faire comprendre pour dire que ce que les tentatives des koufars maintenant qui essaient de réunir les musulmans malgré leurs divergences, sans les ramener à une aqidah qui est basée sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs, tout ça c'est des tentatives qui sont vouées à l'échec. Hein? Et ceux qui sont derrière ça en général, c'est les groupes comme les Ikhwan. Hein? Parce qu'ils ont une règle qu'ils suivent qui dit, on s'unit ou on collabore entre nous sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse sur les choses sur lesquelles on diverge. Et c'est donc, eux, ils essaient de dire, bon, peu importe nos divergences, même si c'est dans les bases de l'islam, même si c'est dans le tawhid, même si c'est dans les fondements de la sunna, c'est pas grave. On s'excuse là-dedans. Hein? Et donc, ils veulent réunir des choses contradictoires entre elles. D'accord? Donc, alhamdoulilah, pour nous, les musulmans, et en particulier ceux qui veulent suivre la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a et la compréhension des salaf al-salih, eh bien, on peut jamais accepter ce genre de choses-là. Hein? Et donc, on est toujours accroché, alhamdulillah, à cette vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna, et à la compréhension des salaf al-salih pour éviter de se dévier, de s'égarer. Et ça, c'est une protection pour nous. Ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, tout ce que le cheikh il a décrit auparavant. Donc, comme le cheikh il continue l'explication, il dit « وَهَذَا الْمَعْنَى الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ » فمن أبى أن يستسلم لله فهو مستكبر ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك والمستكبر والمشرك من أهل النار خالدين مخلدين فيها أما من استسلم لله وحده فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة. الشيخ explique que on peut classifier les hommes en trois catégories par rapport à l'adoration d'Allah. Premièrement, par rapport à la soumission, celui qui refuse de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est celui qui est arrogant et fier. Hein? Et il y a l'autre qui accepte de se soumettre à Allah, mais qui se soumet en même temps à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui c'est le mushrik. Lui c'est celui qui commet le shirk. Puis les deux, le mustakbir et le mushrik, l'orgueilleux et l'arrogant, et le mushrik, l'idolâtre ou celui qui est associé avec Allah dans l'adoration, eh bien, tous ces deux-là sont dans l'enfer pour y demeurer éternellement. Tandis que celui qui s'est soumis à Allah seul, alors c'est lui qui aura le bonheur dans cette dunya et dans l'au-delà, et qui sera parmi les gens du paradis.
قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مهتدون في الدنيا في عبادتهم في عبادتهم وجميع شؤونهم على هدى ولهم الأمن في الآخرة من عذاب النار فجمع الله لهم الهداية والأمن وهذا إنما يكون للإسلام وحده فقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا توحيدهم بالشرك فهؤلاء هم الذين استسلموا لله وحده وانقادوا له والانقياد لله جل وعلا بالطاعة بفعل أوامره واجتناب نواهيه donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur foi par quelconque injustice alors ceux-là auront la sécurité hein, seront en sécurité ils seront et ce sont eux qui sont les bien guidés ils sont les bien guidés dans cette vie d'ici-bas dans leurs adorations et dans toutes leurs affaires ils restent sur la guidance et ils sont en sécurité dans l'au-delà du châtiment d'Allah par rapport au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala donc Allah subhanahu wa ta'ala a réuni en eux la guidance et la sécurité et ça c'est uniquement pour la personne qui est sur l'islam c'est uniquement pour la personne qui est sur l'islam donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ يعني ils n'ont pas mélangé leur tawhid avec quelconque forme de shirk ils n'ont pas recouvert leur foi par quelconque injustice ça veut dire ils n'ont pas يعني mélangé leur tawhid avec quelconque forme de shirk comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset dans surat Luqman إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ le shirk est la plus grande forme d'injustice donc l'injustice dont on parle dans ce verset là c'est le shirk donc ceux qui n'ont pas mélangé leur tawhid avec quelconque forme de shirk ceux là ce sont ceux qui se sont soumis à Allah et à Allah seul et qui se sont disons qui se sont soumis à Allah et qui lui obéissent hein, et qui font ce que Allah leur a ordonné et qui s'écartent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. فالإسلام أن يجتنب المسلم ما حرم الله عليه وأن يفعل ما أمر الله به فمن لم يجتنب أو لم يتجنب ما حرم الله عليه فليس بمسلم ومن لم يفعل ما أمر الله به فليس بمسلم وقد لا يكون مسلما أصلا وقد يكون مسلما إسلاما ضعيفا لا إسلاما كاملا بحسب المخالفة التي ارتكبها donc le sheikh il explique que l'islam consiste donc à ce que le musulman s'écarte de ce que Allah a interdit et qu'il fasse ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire Alors celui qui ne s'écarte pas de ce que Allah lui a interdit, il n'est pas musulman. Et celui qui ne fait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire, il n'est pas musulman. Il se peut qu'il ne soit pas musulman à la base, c'est-à-dire qu'à la base il soit complètement mécréant, parce qu'il ne fait pas ce que Allah ordonne, et il ne s'écarte pas de ce que Allah a interdit, parce qu'il est kafir, ou bien... Ça se peut que c'est à cause du fait qu'il a un islam, il est musulman, mais un islam qui est faible. Il n'est pas complètement, son islam il n'est pas complet. Selon la chose par laquelle il a contredit l'islam et le péché qu'il a commis. C'est-à-dire que s'il commet quelque chose comme péché ou contradiction à l'islam qui est dans les fondements de la foi, là ça va annuler sa foi complètement. Ou bien, si c'est quelque chose qui n'est pas dans les fondements de la foi, mais qui vient compléter la foi et qu'il ne l'a pas respecté, ou bien qu'il a fait quelque chose, de choses parmi ces choses-là qu'il a désobéi à Allah, dans ce cas-là, on va dire que son islam, il est faible. Hein, sa foi, elle est faible. Le cheikh, il dit, « وَالْبَرَاءَ مِنَ الشِّرْكِ أي مَنْ أَسْلَمَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ يَتَبَرَأْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُحِبُّهُمْ ولا يدافع عنهم بل يكون عدوا لهم ومبغضا لهم
لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc le cheikh il explique que quand on parle de l'autre partie de la définition de l'islam, de se désavouer du shirk, le cheikh il dit que tu dois te désavouer du shirk et tu dois te désavouer des mushrikins. Et ce n'est pas suffisant de dire juste je suis musulman, je crois en Allah, j'adore Allah. Si tu dis ça, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi que tu te désavoues du shirk. Parce que si toi tu ne fais pas de shirk, tu n'adores pas des idoles, tu n'adores pas des images, tu n'adores pas des croix, tu n'adores pas des statues, tu n'adores pas les prophètes ou les anges ou les saints ou les tombes, mais que dans ton cœur tu es d'accord avec ça, eh bien t'es un mushrik toi aussi. Donc c'est pas suffisant juste de dire je fais pas le shirk, il faut que tu te désavoues du shirk. Tu te dis je suis innocent du shirk, je rejette le shirk sous toutes ses formes. Et je rejette également ceux qui le font. Je rejette également les mushrikines, dans le sens que tu les détestes et que tu les aimes pas à cause du shirk qu'ils font, à cause de leur mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu vas pas les défendre dans le shirk qu'ils font, tu vas pas les aimer dans leur shirk et dans leur kufr, hein, tu vas les détester dans ça, parce qu'ils opposent la vérité. Donc toi tu les détestes, pourquoi? Parce qu'ils opposent la vérité, hein, parce qu'ils mentent sur Allah, parce qu'ils adorent d'autres que Allah, parce qu'ils font qu'est-ce que Allah a interdit de faire, hein. Donc ça c'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les détestes parce que ce sont les ennemis d'Allah, parce que ce sont les ennemis de son messager, parce que ce sont les ennemis des musulmans. Donc c'est une haine qui est religieuse. C'est pas une haine c'est basé sur la dunya seulement, comme certains par exemple, qui détestent des gens juste par rapport à la dunya. Si tu as des problèmes d'argent avec un kafir, tu le détestes, mais si tu n'as pas de problème d'argent avec lui, c'est ton ami, tu l'aimes, hein. Et si tu as un problème d'argent avec un musulman, tu le détestes, hein, comme si tu détestais un kafir. Ça, c'est pas correct. Parce que l'amour, ça doit être pour Allah, et la haine, ça doit être pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah il mentionne dans le Coran des versets à ce sujet. Al-Mumtahana, verset 1. Allah il dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre comme allié. Hein, comme allié, vous allez vers eux avec de l'amour, hein, alors qu'ils ont mécru en ce qui vous est venu de la vérité. Hein? Donc on ne doit pas leur offrir l'amour et l'amitié aux kuffars. Hein? On doit les détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne aussi l'autre verset 51 de Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont les alliés les uns des autres. Et quiconque d'entre vous s'allie à eux, alors il est un des leurs. Et Allah certes ne guide pas les peuples injustes. Et comme on l'a déjà expliqué à propos de ça, ça c'est un sujet qu'on appelle al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. C'est-à-dire le fait d'aimer et de s'allier et de se désavouer et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué que par rapport aux kuffars, il faut distinguer. Lorsqu'on déteste les kuffars, c'est par rapport à leur religion, pas par rapport uniquement à des questions de dunya. Puis en même temps aussi, il y a des personnes qui sont par exemple des kuffars qui sont dans notre famille, par exemple notre père ou bien notre mère, s'ils sont des mushrikines. Le fait qu'on les déteste pour Allah à cause de leur mécréance, ça n'empêche pas qu'on doit quand même être bon avec eux, avoir un bon comportement avec eux et les obéir dans le bien, hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, hein? وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.
وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des parrains qu'on doit avoir un bon comportement avec eux, et que s'ils te forcent à associer quoi que ce soit avec moi, des choses dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas, mais quand même sois un bon compagnon pour eux dans la dunya, hein, agis bien avec eux. La même chose pour quelqu'un qui a épousé une femme chrétienne ou juive, comme Allah il a permis, eh bien, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle l'amour naturel. C'est pas l'amour religieux. Ok? Tu aimes cette femme, c'est ta femme. Tu l'aimes parce que c'est ton épouse. Hein? Ta lignée qui te rattache avec elle. Mais, tu détestes sa religion et tu détestes sa croyance et tu la détestes sur ce plan-là. Hein? Mais en dehors de ça, tu as des liens qui font que tu as un amour naturel envers elle. Ça, c'est une bonne chose à comprendre pour distinguer entre les deux. De même que le fait d'avoir de la haine envers les koufars, ça ne nous empêche pas d'être juste envers eux si on a des voisins koufars ou si on vit parmi eux, y en a également. Et aussi, ça n'empêche pas à ce qu'on fasse du commerce avec eux, ou qu'on ait des ententes, lorsqu'il y a des ententes politiques ou économiques avec les koufars, ça c'est pas quelque chose qui vient en contradiction. Et aussi c'est bien de comprendre la différence entre les différentes catégories de koufars. Il y a les koufars qui sont en guerre contre les musulmans, ce qu'on appelle al-harbiyoun. Ceux-là, il n'y a pas d'entente de paix entre les pays musulmans et leur pays. Il y a la guerre qui est déclarée de façon officielle, ça c'est une catégorie d'entre les koufars. C'est ceux-là, c'est des situations de guerre entre eux et les musulmans. Mais encore là même, c'est les dirigeants musulmans avec l'armée qui va entrer dans ce pays-là pour combattre contre eux. Et en même temps aussi, on va pas toucher aux non-combattants. On va toucher seulement à ceux qui participent au combat et qui propagent le kufr. Et également aussi, c'est que le dirigeant, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va faire avec eux, s'il veut faire une entente de paix, ou une trêve, ou autre. C'est lui qui dirige, qui décide dans ces choses-là. Bon, je rentre dans ça, pourquoi? Juste pour clarifier. Sinon, je l'ai déjà clarifié dans d'autres durus, mais c'est juste pour faire comprendre, pour pas qu'on tombe dans un extrême ou dans l'autre, hein, par rapport à ça. Parce qu'à l'Wala ou al-Bara, il y a ceux qui ont exagéré, qui ont commencé à dire il faut détester tous les koufars, il ne faut pas avoir aucune entente avec eux, aucun contrat avec eux, aucune relation avec eux, puis que si tu fais quoi que ce soit avec les koufars de ce genre, des choses économiques ou bien des choses politiques, diplomatiques ou autres, eh bien tu deviens comme eux, tu deviens mécréant, ou des choses comme ça, mais ça c'est du rouleau. Et on voit les khawarij qui sont tombés dans cette catégorie-là. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui disent non, il faut aimer tout le monde. C'est, l'islam c'est l'amour, l'islam c'est la paix, l'islam c'est ci, c'est ça. Ils tombent dans l'autre extrême. Et donc, ils détruisent en fait ce principe de wala wal bara. Ils le rejettent. Donc ça c'est l'autre extrême aussi. Et ça c'est pas correct. Hein? Ensuite le cheikh il dit wal bara'atu min ash-shirk. بأن يترك جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر ويخلص عبادته لله وحده لا شريك له فمن لم يتبرأ من الشرك حتى ولو كان لا يعبد إلا الله لكنه لا يبغض الشرك وأهله ويقول إن الناس أحرار في عباداتهم والناس أحرار في دياناتهم وآرائهم هذا ليس بمسلم. Allahu amarahu an yatabarra min ash-shirk wal mushrikin. Donc le cheikh il dit que, comme on disait, le fait de se désavouer du shirk, c'est que tu rejettes toutes les différentes formes de shirk, que ce soit des formes de shirk majeures ou mineures, et que tu fasses en sorte que ton adoration elle soit uniquement pour Allah seul, et qu'elle soit pure pour Allah seul, et que tu ne lui donnes aucun partenaire dans l'adoration. Donc celui qui ne s'est pas désavoué du shirk, même s'il n'adore que Allah, celui qui ne s'est pas désavoué du shirk, mais qui n'est pas musulman. C'est-à-dire si quelqu'un il n'adore personne d'autre que Allah, il adore que Allah, mais il ne déteste pas le shirk et il ne déteste pas les mushrikines, et il dit, les gens sont libres dans leur
adoration, les gens sont libres dans leur religion, les gens sont libres dans leurs opinions. Celui qui dit ça, il n'est pas musulman. Le cheikh, il dit, celui qui dit ça, il n'est pas musulman. Et pourtant, Allah al-Musta'an, il y a beaucoup d'ignorants maintenant parmi les musulmans qui pensent comme ça. Et qui répètent ces paroles-là. Et qui disent, nous, on respecte toutes les religions, et on aime toutes les religions, et tout le monde a le droit de croire qu'est-ce qu'il veut, et tout le monde est libre, et des choses comme ça. Hein? Alors que ça, le cheikh, il dit ça, c'est quelqu'un qui dit ça, il n'est pas musulman. Parce que l'islam, hein, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous désavouer du shirk et des mushrikins. Hein? Ça c'est fondamental, ça c'est très important de le comprendre. Le cheikh dit هذا هو الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وهو الإسلام الذي وهو الإسلام إلى أن تقوم الساعة كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها والذي أصلح أول هذه الأمة هو الإسلام فكذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا الإسلام دينا ومعاملة وحكما وكل ما سوى الإسلام فهو باطل وضلال وكفر ولا بد أن يعتقد المسلم ذلك وهذا هو الإسلام الصحيح. Donc le cheikh il dit que c'est ça l'islam. C'est cet islam-là que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est avec cet islam qu'il l'a envoyé. Et c'est cet islam que ses compagnons, les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont suivi après lui. Et c'est l'islam qui va rester. C'est cet islam qui va rester. Et c'est ça l'islam, et il va rester ainsi jusqu'à l'heure du jugement dernier. Comme l'imam Malik, rahimahullah, l'a dit. Que, qu'est-ce qui va, il y a rien qui va réformer les derniers de cette umma, autre que ce qui a été utilisé pour réformer les premiers d'entre cette umma. Donc, qu'est-ce qui a été utilisé par les premiers musulmans pour réformer leur société? C'est uniquement ça qui va être capable de réformer les derniers musulmans ou ceux qui vont venir par la suite. Hein? Et donc, ça, c'est très important de le comprendre. Donc, qu'est-ce qui va réformer les musulmans des derniers temps? C'est l'islam tel qu'il est venu dans les premiers temps, dans la religion, dans les interactions et dans le gouvernement, dans le verdict ou dans tous les aspects de la vie. Et tout ce qui est en dehors de l'islam, eh bien, c'est quelque chose qui est faux, qui est égarement et qui est kufr. Donc, il faut absolument que le musulman croit et ait cette conviction-là. Hein? Et des fois, les gens, ils traduisent le terme i'tiqad ou aqida par le mot dogme. Hein, dogme. Ben, moi, en tout cas, moi, personnellement, j'aime pas tellement ce terme dogme. La raison pourquoi, c'est parce que les chrétiens, ils utilisent le terme dogme, pour dire que c'est une croyance, que tu peux pas remettre en question, mais, pour les chrétiens, leur aqida, elle n'est pas basée sur une croyance, basée sur des textes. C'est-à-dire la croyance des catholiques, par exemple, elle n'est pas basée sur des textes, elle n'est pas basée sur la raison, elle n'est pas basée sur rien. C'est des points que l'Église a choisi, et ils ont déterminé, puis ils ont dit, vous devez croire en ça, et vous ne devez pas questionner. Tandis que nous, les musulmans, notre aqida, elle est basée sur les fondements, sur les textes, du Coran et de la Sunna. Et la compréhension des salaf. Donc, il y a des références pour nous. Donc, la notion de dogme, quand vous le mentionnez comme ça, peut-être quelqu'un qui était catholique ou chrétien, quand il l'entend, pour lui, il va croire que c'est peut-être quelque chose que, yani, c'est dans la même catégorie. Quelque chose que les gens ont choisi, des hommes ont décidé, puis ils ont dit, vous devez croire en ça. C'est pas basé sur des textes. Non. Nous, notre croyance est basée sur le livre. Contrairement aux gens de Bid'a. Les gens de Bid'a, ils ressemblent aux chrétiens dans ces choses-là parce qu'ils ont établi des dogmes qui sont pas tirés du Coran ni de la Sunna, qui sont basés de leur propre logique à eux. Puis quand tu leur demandes d'où est-ce que vous avez pris ça, ils disent, ben ça c'est des règles qu'on a déterminées nous-mêmes, puis on a utilisé ces règles-là pour comprendre la révélation, il n'y a aucune preuve derrière. Hein? Allah Musta'an. Et quand vous voyez par exemple les livres des gens de Bid'a comme les Asha'ira et autres, eh bien, quand ils parlent de leur
croyance. Tu vois, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de hadith, il n'y a rien. Juste kalam. Des paroles. Hein? Pas de fondement. Donc ça, c'est juste un point en passant comme ça. Après, le cheikh, il dit, c'est ça l'islam. Et c'est cet islam qui va rester jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un nouvel islam à notre époque. Comme les koufars, qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire maintenant? À chaque fois que les koufars, ils parlent de l'islam, ils disent, vous les musulmans, ça fait 1200 ans ou 1400 ans maintenant que vous avez suivi le même islam. Et il n'y a pas eu de réforme, ou de, disons, il n'y a pas eu de réinterprétation et relecture de votre religion. Donc, ils disent, il faut que l'islam soit réinterprété à notre époque. Pourquoi? Pour qu'elle soit en accord avec les notions ou les valeurs des koufars de l'Occident. Et donc ça, c'est leur tentative d'essayer de vouloir défaire l'islam, ou déformer la réalité de l'islam. Nous, on leur répond, non, cette religion-là, c'est pas comme le christianisme. Parce qu'ils disent, les chrétiens, ils ont réformé leur religion. Les juifs, ils ont réformé leur religion. Pourquoi vous, vous voulez pas réformer votre religion? On dit, non, ça, c'est des religions qui ont été changées par l'homme. Et vous pouvez, ils peuvent jouer avec comme ils veulent. Après chaque 50 ans ou chaque 100 ans, ils font un nouveau truc, ils se réunissent, puis ils disent, bon, on va changer ça. Parce que c'est des religions humaines. Mais la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, elle n'est pas une religion humaine. C'est une religion qui est révélée par le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, révélée au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il est préservé et protégé. Elle ne change pas. Donc, les textes, ils restent tels quels. Et la lecture de ces textes-là, dans ses fondements, ils restent les mêmes. Ne peut pas être transformé ou changé à la guise des gens, selon les désirs, selon les passions, hein, selon les opinions, hein, selon les modes qui changent. Hein. Donc ça c'est très important de comprendre. Le cheikh dit cet islam, là c'est cet islam. Et l'imam Malik, c'est ce qu'il a dit, la même chose. On n'a pas besoin d'un nouvel islam à la fin des temps, un nouveau prophète pour nous redire qu'est-ce que c'est un nouvel islam pour le 20e siècle. Ou le 21e siècle. Non, c'est le même islam. D'accord? Ça, c'est très important de le comprendre pour réfuter ces soi-disant modernistes aujourd'hui qui veulent nous amener une nouvelle version de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh dit « Summa ala al-muslim »« Iza arafa ni'mat Allahi alayhi wa hiya al-islam an yas'al Allah al-thabat alayhi wa an la يأمن على نفسه من الفتنة والانتكاس لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة والفتن كثيرة والشرور متعددة والصوارف كثيرة والابتلاء والامتحان قائم وقد ضل كثير بعد الهدى وارتد كثير بعد الإسلام والعياذ بالله كما أن على المسلم أن يعرف الإسلام معرفة صحيحة ولا يأخذ الإسلام بالتقليد وإنما يأخذه بمعرفته والتبصر فيه. Donc le cheikh il dit que le musulman, quand il a su qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam et qu'il a reconnu la grâce qu'Allah lui a faite en le guidant à l'islam, il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la fermeté sur cette religion. Et il ne doit pas se sentir en sécurité en lui-même et en paix en lui-même par rapport à la fitna et par rapport au fait de revenir à l'égarement, parce que personne n'est protégé de l'égarement, personne n'est protégé de la fitna de façon absolue. Le cheikh il dit, tant que tu es vivant, eh bien tu n'es pas en sécurité, tu n'es pas à l'abri de la fitna. Al-hay la tu'manu alayhi al-fitna, ça c'est une parole que les salafs ils disaient, hein. من أراد أن يستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Celui qui veut prendre un exemple, un modèle, qu'il se base sur ceux qui sont morts, parce que le vivant, il n'est pas à l'abri de la fitna. Hein? C'est ça qu'ils disent. Donc les fitnes, les épreuves et les tentations sont nombreuses, et les choses mauvaises qui peuvent nous arriver sont multiples, et les choses qui peuvent nous dévier, nous faire dévier du droit chemin et nous écarter de la vérité, elles sont elles aussi très nombreuses. Et les épreuves et les tests, ils sont là, ils sont présents.
Et beaucoup d'entre les hommes ont dévié après avoir connu la guidance. Et beaucoup ont quitté l'islam et apostasié après avoir été musulmans. Hein? Wal'iyadhu billah. Donc, le musulman, il faut qu'il connaisse son islam d'une connaissance correcte. Et il ne faut pas qu'il prenne son islam de façon par les coutumes ou par la tradition de son pays ou de ses parents. Qu'est-ce qu'il a appris déjà? Non. Il faut qu'il prenne sa religion avec la connaissance, avec la compréhension. Hein? Le cheikh dit « Amma iza lam ya'rif al-islam wa la nawaqid al-islam fa'innahu hariyun an yakhruj an al-islam wa huwa yadhun annahu ala al-islam kama qala amir al-mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yushiku an tunqad 'urwa al-islam 'urwatan 'urwa idha nasha'a fi al-islam من لم يعرف الجاهلية ويقول حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Je ris parce que ce matin on a lu les mêmes paroles. Hein? Donc qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit celui qui ne connaît pas l'islam. Il dit en ce qui concerne celui qui ne connaît pas l'islam et qui ne connaît pas non plus ce qui annule l'islam, eh bien c'est bien facile qu'il sort de l'islam alors qu'il croit toujours être dans l'islam parce qu'il sait pas, il sait pas qu'est-ce que c'est l'islam et il sait pas qu'est-ce qui fait sortir de l'islam. Et ça c'est l'état de beaucoup d'entre les musulmans aujourd'hui. Si tu lui demandes qu'est-ce que c'est l'islam, il va te dire ben c'est faire la prière 5 fois par jour, c'est de faire le jeûne du Ramadan, c'est de pas manger de porc. Hein? Pour la majorité des musulmans, si tu lui demandes c'est quoi l'islam, il va te dire ça. Le tawhid pour lui, c'est quelque chose vraiment, ça s'arrête à dire il y a un Dieu unique. Et ça s'arrête là. Il sait pas plus que ça, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique. Hein? Ça c'est la majorité des musulmans. Illa man rahim Allah. Donc, connais pas la réalité de l'islam. Et si tu lui demandes, qu'est-ce qui fait sortir de l'islam, il va te dire, peut-être qu'il va te dire par son ignorance, que c'est, par exemple, de manger du porc. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui fait rentrer dans l'islam, qu'est-ce qui fait sortir de l'islam. Il peut penser qu'un grand péché, ça fait sortir de l'islam, comme les khawarij. Mais étant donné qu'il ne connaît pas la aqidah de l'islam, il ne connaît pas la aqidah des khawarij, il fait sortir de l'islam des gens qui font des grands péchés par son ignorance. Quand il voit des gens qui font des péchés dans la rue, il dit « Ah, ça, c'est pas des musulmans. » Parce qu'il ne connaît pas les bases de sa religion. Donc, il ne connaît pas ce qui fait sortir réellement de l'islam. Il ne sait pas que c'est le kufr et que c'est le shirk. Et si tu lui demandes qu'est-ce que c'est les choses qui annulent l'islam, il ne peut pas te l'expliquer en détail et encore moins avec preuve. Hein? Donc quelqu'un dans cet état là le cheikh il dit c'est facile pour lui de sortir de l'islam alors qu'il pense qu'il est encore dans l'islam, il pense qu'il est musulman. Et le cheikh il mentionne les paroles de Omar ibn Khattab radiallahu anhu à ce sujet là lorsqu'il dit hein, que quelqu'un yani, risque petit à petit hein, ou plutôt il dit le câble de l'islam risque de s'effiler fil par fil lorsque grandissent dans l'islam des gens qui n'ont pas connu la jahiliya, ils n'ont pas connu la période pré-islamique, ils n'ont pas connu la période de l'ignorance, alors ils grandissent dans un islam qui est flou, qui n'est pas clair, parce qu'ils connaissent pas, ils connaissent peut-être l'islam de façon générale, et ils connaissent peut-être l'égarement de façon générale, mais pas dans les détails. Comme on a expliqué ce matin, en expliquant la parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah à ce sujet-là. Et il dit ensuite que l'imam, que le sahabi, Huzaifa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il disait que les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah au sujet du bien, et il dit, moi je demandais au sujet du mal par crainte que ces choses-là m'arrivent, hein, pour être protégé. Hein. Donc je pense que pour ça, pour maintenant, on va s'arrêter à ce point ici, Inch'Allah, puis Inch'Allah demain on continuera la suite de cette explication, Inch'Allah, puis donc on va rentrer plus dans les détails et dans les exemples demain, Inch'Allah.
ou bien si jamais, je sais pas, ben, je pense que c'est mieux de continuer demain, après le Fajr peut-être, hein, mais peut-être si vous voulez, si vous trouvez que c'est un peu tôt, après le Fajr on peut faire comme dans la matinée, plus tard dans la matinée, comme 10, peut-être 10 heures, c'est trop tôt, c'est trop tard, 9 heures, ouais. Toi, tu dors à cette heure-là. Toi, c'est parce que quand tu finis le travail, tu viens direct. Naam. Moi, c'est ça. Moi, je trouve que après le Fajr, c'est pas un problème, mais c'est juste que s'il y a beaucoup de frères ce matin qui pouvaient pas venir, si vous voulez, on peut le faire après le Fajr quand même, ça me dérange pas. Tayyib, inshallah. Donc, après le Fajr. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu.